Un appel de détresse en provenance du cénotaphe. Nous sommes les derniers à qui Cotte demanderait de l'aide. Il a peut-être fini par changer d'avis. Ça doit être grave pour qu'il cherche à nous contacter. Connecte-nous. Attendez, le signal est brouillé de l'autre côté. Juste une seconde. Voilà. Cénotaphe à Odessen, répondez. Que voulez-vous? Véline et Scorpion sont montés à bord du vaisseau. Elles ont capturé mon équipage et pris la passerelle. Vous avez laissé l'Alliance. Vous avez pris mon vaisseau. Et en plus, vous voulez mon aide? Ne le faites pas pour moi. Faites-le pour le vaisseau. J'ai verrouillé les commandes et je me suis trouvé un abri. Vous voulez le cénotaphe? Venez le reprendre à Véline. Je l'ai perdu. Mais on a les coordonnées. Le cénotaphe n'est qu'un contretemps. Anéantissez Véline, et plus rien ne se dressera entre vous et le trône éternel. Sont toujours désactivés. La flotte de l'Alliance nous fait signe. La petite marionnette de père, comment allez-vous? J'appelais juste pour vérifier que vous étiez toujours là. J'arrive tout de suite. Je n'ai jamais apprécié vos penchants humoristiques. Mourrez avec votre flotte si ça vous chante, mais vous ne reviendrez jamais sur cette passerelle. C'est ce qu'on verra. De ne pas vous serrer la main. N'avancez plus, Cotte. Gardez les mains bien en évidence. Je ne suis pas là pour me disputer. On a assez de problèmes comme ça. Vous vous rappelez la première fois que vous avez laissé Scorpion aborder mon vaisseau? Ça m'a inspiré quelques modifications. Les omnicanons, les moteurs subluminiques et l'hyperpropulseur sont toujours verrouillés. Oh, j'ai horreur de manipuler des jouets en panne. Mais tu peux réparer ça. Cotte dispose d'une clé de cryptage personnelle. Je dois en apprendre plus sur lui pour la déchiffrer. Mais je n'ai pas accès à l'holonet pendant la bataille. Vous travaillez pour lui? Il a dû vous dire des choses. Oui, ça risque de faire... Mais il y a un deuxième mot de passe caché derrière le premier. Personne ne le connaît à part moi. Si Véline débloque les commandes de la passerelle sans le saisir, on est dans de sales draps. Vous avez déjà entendu parler de bombes quantiques? Oh, Cotte, vous avez osé. Toute personne omettant le mot de passe caché déclenche un compte à rebours. Tout ce qui se trouve dans un rayon de plusieurs milliers de kilomètres, boum. Vous n'auriez pas mis en route un piège aussi destructeur sans prévoir un bouton d'arrêt? Je suis fou, mais pas stupide. Je suis là pour désactiver la bombe. Si jamais vous voulez me donner un coup de main, nous sommes toujours tombés d'accord sur une chose.
Véline doit mourir. Alors allons-y. Partenaire provisoire. Allons récupérer le cénotaphe. Les forces de Véline ont pris le contrôle du vaisseau. Je vais détourner leur attention. Allez avec Côte. Lana. Il n'y a plus rien entre nous. J'ai dissimulé des amorces de bombes sur cette passerelle. On y va. Je vous avais dit que Scorpion allait nous porter la poisse. Plus il sent gros, plus il s'égosille. Côte a basé la clé de cryptage sur son passé à la guerre. Les soldats qui sont morts sous son commandement. Attendez. Commande de la passerelle déverrouillée. Le cénotaphe est à moi. On a perdu 5 patrouilles sur les ponts inférieurs, à l'autre bout du vaisseau. Code n'est pas tout seul. Oh, père. Mauvaise idée. On a toutes les amorces du secteur. La prochaine étape s'annonce mouvementée. C'est votre dernier combat. Votre rébellion s'arrête là. La prochaine amorce se trouve sur la passerelle, avec Véline, Scorpion et mon équipage. Ça va leur faire un drôle de choc de nous voir débarquer. Ça ne me réconforte pas vraiment, mais c'est toujours ça de pris. En route pour la passerelle. Ça va? Vous n'avez rien? J'en sais rien. Je sens plus mes doigts. J'ai neutralisé l'amorce, mais les commandes de la passerelle étaient déjà déverrouillées. C'est ma faute. J'ai voulu résister, mais Véline... Oh, c'était horrible. Elle m'a forcé à parler. Je suis désolé. Véline et Scorpion devaient se trouver ici. Elles sont parties sur vos traces. C'est absurde. Elles auraient dû déclencher la bombe quantique et nous tuer tous. Bombe quantique? C'est une longue histoire, Len. Si nous sommes toujours en vie, c'est qu'elles n'ont pas utilisé la console. Qu'est-ce qui les a freinés? Écoutez-moi bien. Le temps presse. Assez joué. On ne se laissera plus avoir par vos ruses. C'est mon sens de la ruse qui vous maintient en vie. J'ai manipulé Véline pour l'éloigner de la passerelle, afin que vous puissiez désarmer votre botte secrète. Tu étais au courant? Je partage votre désir de sauver le cénotaphe. Ne quittez pas. Véline a pris au piège Lana Benico. Vous devriez peut-être la sauver, elle aussi. Pourquoi tu nous viens en aide, subitement? Ce vaisseau est la clé ultime. Oh non. Véline et Lana s'affrontent là où j'ai caché la bombe. Si elle la déclenche, nous sommes tous morts. Ne sous-estimez pas Véline. Son pouvoir grandit de façon exponentielle. Tuez-la ou vous mourrez.
Scorpion m'avait prévenu de votre arrivée. C'est gentil de sa part. D'après vous, comment je vous ai trouvé? Cette machine veut votre mort presque autant que moi. Mensonge! Hey! Vous avez une bombe sous les pieds! Si vous dévastez l'endroit, vous faites tout sauter! Laissez tomber! Il nous reste 3 minutes! J'en ai assez d'attendre. Si je vous ouvre le crâne en deux, peut-être que Père se montrera plus loquace. Il n'est pas question que ça arrive. Pas cette fois-ci, Père. Cessez de perdre du temps et abréger sa misérable existence. Vous seul pouvez la terrasser. Quand j'en aurai fini avec vos précieux alliés, vous et Mère serez les prochains. Quelle cruauté. Tu es ma fille. Nous sommes une famille. Vous m'avez mise en cage, comme un animal. Tu mettais tes jours en danger, et ceux des autres. Je t'ai mise à l'abri. Vous aviez peur de ce que je pouvais devenir, et vous aviez raison. Tuez-moi et votre père n'aura qu'à adopter une nouvelle forme. Peut-être la vôtre. Il est trop faible, et il le sait bien. Prosterne-toi devant le dragon de Zakkel. Non! Ce n'est pas... Tu croyais que je t'avais enfermé pour te punir? Non. Tu devais apprendre. Tu devais être conditionné. Prosterne-toi devant le dragon de Zakkel. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Si tu te bats, tu mourras. Elle n'est plus là. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Ça y est, bombe neutralisée. Une crise peut être évitée. Mais ma fille infeste toujours votre vaisseau. Vous avez fait quelque chose, Aveline. Neutraliser son pouvoir. Son affinité à la Force en a fait un adversaire redoutable, même dès son plus jeune âge. Je n'avais pas le choix. J'ai conditionné son subconscient à réagir à une phrase simple. Prosterne-toi devant le dragon de Zakkel. Prononcez ces mots en présence de Véline, et vous activerez son conditionnement. Elle ne pourra rien faire pour vous nuire. Vous auriez dû me parler de la possibilité de neutraliser Véline à la seconde où elle est montée sur le trône. J'ai préféré éviter d'obscurcir votre jugement par de faux espoirs. À présent, l'orgueil de Véline est blessé, et sa faiblesse dévoilée. Elle n'a jamais été aussi dangereuse. Je reçois un signal de Terron. La flotte éternelle est passée en hyperespace. Il n'y a plus que nos vaisseaux dans les parages. J'ai des renforts avec moi dans la baie d'amarrage. Quels sont vos ordres? Sécurisez la passerelle. Et ne prenez aucun risque. Prévenez-moi si vous tombez sur Scorpion ou Véline. Vous vouliez récupérer le cénotaphe. Voilà qui est fait. Avec vous et votre équipage. Mes hommes se sont précipités vers les capsules de sauvetage dès l'instant où nous avons quitté le pont. Merci de les avoir sauvés. Ce n'était pas très malin de me dérober mon vaisseau. Ils se rendent coupables de traîtrise, tout comme vous. Ils sont simplement coupables d'avoir voulu aider les autres. J'ai volé le cénotaphe pour sauver Zakkel. Ne me réclamez pas d'excuses. On ne pourrait pas tirer un trait là-dessus. J'ai tiré un trait sur vous. Je suppose que nous sommes quittes. Ce vaisseau est sous mon contrôle.
Les êtres organiques ont quelques instants pour quitter le vaisseau. Passé ce délai, vos vies seront en jeu. Je ne vaux rien de plus pour toi ? Juste un être organique dont tu as hâte de te débarrasser ? J'ai appris que le Cénotaphe, les Gemini, ainsi que tous les vaisseaux de votre flotte éternelle, étaient des extensions de ma technologie. Il faut que je comprenne comment nous sommes connectés. Tu cherches à t'emparer du Cénotaphe depuis le début ? Je cherche des réponses. Et ce vaisseau en fait partie. Tu m'as trahi, comme tous les autres. Je suis en train de déverrouiller des fichiers cachés et des sous-routines du Cénotaphe dont l'existence précède l'Empire éternel. Merci de prendre du recul. Je vais t'en donner du recul. Qu'est-ce que tu nous emmènes ? Le Cénotaphe veut rentrer à la maison. On ne pourrait pas tirer un trait là-dessus.